Alors les féeries familiales, le concept en fait c'est de mettre en place un événement destiné, comme son nom l'indique, aux familles. Toutes nos animations sont absolument gratuites, sont ouvertes à tous. C'est une façon pour nous de présenter aussi le village d'Arc 1950 à toutes les personnes qui ne le connaîtraient pas. Et nous avons mis en place durant 4 jours plus de 40 ateliers avec des prestataires de très haut niveau, de très haut vol. Et cette année, donc deuxième du nom, nous sommes sur le thème de la magie. Alors nous avons des prestataires qui viennent, qui sont français, qui viennent des quatre coins de l'Hexagone, mais qui ont une très belle réputation, qui sont passés dans des émissions prestigieuses de magie et qui nous font le plaisir de venir ici à Arc 1950. Les féeries. Ça sert à quoi ça? Ça c'est je sais pas. Ça c'est du gros plan. C'est pour voir mon nez de près. T'as vu, t'as voir mon nez? Fantasmagorie. Ah, Sœurette, je te vois. Sœurette, et je te vois à l'intérieur. Viens voir. Je suis à l'intérieur. Il y a quelqu'un là-dedans. Je te décide, viens voir. Viens voir, Sœurette. Elle est là. Mais il n'y a plus personne à côté. Je suis là. Je suis là. Ah, ben non, t'es là. Oh là là, la beauté de lui. Oh, la beauté de Chip. Chip. Oh, mon beauté de. Les jokers par-ci, les jokers par-là. Oh lélé, oh là là. Les jokers sont ici, les jokers. Quelle est votre carte, monsieur le roi de carreau, avec votre signature, votre prénom? Thierry, c'est ça? Excusez-moi, Julien, oui. C'est mieux. Bah, moi, ça fait le temps que je peux changer de carte. Non, je plaisante. Julien, votre prénom avec le roi de carreau, bien sûr. Attention, regardez-moi. Je vais faire juste ça, regardez. Je vais prendre ici quelques cartes comme ceci. Quelques cartes de cela. Je vais fermer, enfoncer le roi de carreau. Il est évident que la carte du dessus revient au-dessus. Non, c'est normal, il n'y a pas de souci. Alors nous, avec Philippe, on est spécialisé dans le close-up, la magie rapprochée. Quoi. Il n'y a pas de truc. Hein. Déjà, on est prestidigitateur, c'est-à-dire que, comme le nom l'indique, on essaye d'être agile avec les doigts et les mains, et on essaye de montrer quelques performances, soit techniques, et surtout, on essaie de les étonner, tout simplement, qu'on n'a pas d'autre but. Hein. Les étonner, de les faire rêver avec des choses très simples, un paquet de cartes, un bout de ficelle, enfin bref, des choses très très simples. Pantage en sorcelle, le dernier des sorciers, c'est pas demain la veille qui va en contrôler. Il a perdu la poudre de père à papa, dans son chapeau y'a pas de lapin. Non mais ça va. La saison féerique, des lutins, des sorciers, des gobelins, des devins, emblèmes braves gens, fait de claquer vos dents, voilà les mages volants. Ok, je signale à tous les parents que à 18h j'aurai de nouveau, comme là tout à l'heure, une panne générale de compression. Malheureusement, et que donc je devrais m'arrêter de gonfler des ballons. On est un duo qui s'appelle Chris et Rick. On travaille en magie depuis une quinzaine d'années maintenant. Rick a fait la classe avec Fabrice et pas mal d'émissions. Et c'est lui à la base le magicien, donc sa magie c'est avant tout pour faire rire. C'est très cabaret, c'est participation des enfants, des adultes. Et moi je suis passionné d'animaux, et malheureusement j'ai pas eu d'animaux chez mes parents, puisque je suis pas issu de cirque ou autre. Mais passionné d'animaux, je veux faire vétérinaire. Voilà, et un jour j'ai rencontré Eric qui travaillait donc comme magicien, et on a monté ce duo avec à la fois de la magie humoristique et un numéro d'animaux. On va demander à madame, vous avez une jolie bague à prêter? Oui. Alors enlevez l'une d'entre elles et mettez-la sur cette baguette, s'il vous plaît. Des œufs, des rubans et des bagues. Mélange tout cela, s'il te plaît. Allez, mélange. On va tout mettre dans la casserole. C'est le moment important, c'est la cuisson. Vas-y, mets le contenu du verre dans la casserole. Voilà. Si ça veut bien s'allumer, voilà. Ici, l'or est en train de fondre. Les diamants en train de se décoller. Mais nous avons avec nous une magicienne qui se prénomme Célia. Célia, tu as la baguette, tu es prête? Attention, on va éteindre le feu. Tape trois fois très fort sur la baguette, sur la casserole. Une, deux, trois. Et là, attention. Les œufs se transforment en colombe. Les rubans sont toujours là, mais accroche le ruban et y aller. Applaudissements pour Célia. Applaudissements.